Ça fait du bien. Super, alors bienvenue, merci. bienvenenue sur ce live Jeudi de la joie by Marie-Rose, tous les jeudis soirs à 21h. Aujourd'hui, j'ai avec moi Delphine Debord. Bonsoir Delphine, bienvenue sur mon live. Et bonsoir Marie-Rose, ravie d'être avec toi ce soir. Là, comme ça, je t'ai vu c'est bouger. Là. D'habitude, tu bouges, ouais. Je sais pas, je te vois pas. Tu vois que je danse vraiment. Et encore là, j'étais assise, je suis obligée. D'habitude, je t'assure que je me mets debout et j'y vais, je bouge. Moi aussi, j'étais assise, tu me fais bouger. Ouais. C'est génial. Donc aujourd'hui, Delphine, ben, j'ai voulu t'inviter sur mon live, hein, parce que ça fait un moment qu'on discute ensemble. Et puis on s'est dit, ouais, on va faire quelque chose ensemble. Et puis voilà, c'était... voilà, on se lance. Voilà, voilà. Donc, je vais d'abord me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et puis après, Delphine, bah, je te demanderai de te présenter et ce que tu fais. Et puis, le sujet dont on va parler ce soir. Donc, je ça m'appelle Marie-Rose et j'accompagne les femmes en quête de sens. J'aide ces femmes à se reconnecter à elles-mêmes et à la joie pour une vie plus authentique et satisfaisante. Et je trouve ça vraiment important de se reconnecter à la joie parce que nous sommes venus sur Terre pour avoir de la joie. Voilà, n'est-ce pas Delphine? Complètement, complètement voilà. D'accord. Et c'est quelque chose vraiment que j'aimerais vraiment aider les femmes à faire, que c'est ce que j'ai fait. Enfin, je ne dis pas que je suis toujours en joie, mais aller toujours vers la joie et savoir comment la ressentir, quelles sont les choses qui nous aident à ressentir la joie. Voilà, donc j'ai Delphine avec moi. Donc Delphine, elle est coach en transformation. Et donc, ça fait un peu plus d'un an qu'on se connaît, hein, Delphine, je crois. Ouais, je crois, à peu près. Ouais. Peut-être un petit peu moins. On ne s'est jamais vu, en fait. On ne s'est jamais rencontré. C'est ça, mais ça va se faire. C'est obligé. Ouais, voilà. On a matché tout de suite. Hein. C'est toi qui m'avais contacté, ouais. Tu te rappelles? Ouais. Dès les premiers appels, eh ben ça a matché tout de suite et voilà, comme si on se connaissait depuis toujours. C'est ça. Et vraiment, je crois que ce qui nous a réunis justement, c'est ce sentiment de joie, de motivation, de peps qu'on avait, qu'on a ressenti l'une de l'autre en fait. Oui, c'est ça. Alors Delphine, eh ben, je vais te laisser te présenter à ma communauté parce que on ne te connaît pas. Enfin, moi je te connais, mais ma communauté ne te connaît pas. Alors qui es-tu? Qui est Delphine? Alors, donc comme tu l'as dit, effectivement, je suis coach en transformation. Justement, je vais accompagner les personnes à transformer des expériences douloureuses en une force.
Alors aujourd'hui, on va parler plus précisément du deuil, de le transformer en joie. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître comme ça un petit peu un bisounours. En Bah réalité, ouais, c'est tout moi un je me suis chemin. dit, je me suis posé la question, tu sais, le deuil, la joie, j'ai comment? Donc j'ai C'est hâte ça. d'entendre ce que tu vas dire. Et ouais, parce que alors vraiment, moi je vous assure que en fait, je suis passée donc par ce chemin-là. J'y suis encore un petit peu, hein, en vrai, parce que bon, j'ai perdu mon dernier conjoint il y a 2 ans et demi. Donc vous voyez que c'est encore très récent. Avant ça, j'ai eu d'autres douleurs. Alors on se dit que parfois, la vie nous est un peu coquine quand même et nous fait des feintes, voilà, où c'est pas toujours évident. Et puis, il y en a qui sont plus servis que d'autres, hein, aussi. Voilà. Bah, écoute, moi, j'ai pris la décision, en fait, de prendre tout ce que la vie m'avait apporté, comme des expériences douloureuses, hein, qui étaient vraiment de grosses épines, et finalement, les prendre comme des richesses. Voilà. J'ai compris, en fait, par le développement personnel, hein, aussi, et dans mon avancée, ma croissance personnelle, donc quand j'ai découvert la PNL, programmation neurolinguistique, du coup, que l'on pouvait avoir un impact, un fort impact, en fait, sur nos émotions, sur notre état interne. Et donc, tout ça pouvait se transformer, finalement. Donc, on n'était pas obligé de rester, en fait, dans un sentiment ou une émotion de chagrin, de tristesse ou de peur, hein, qu'on pouvait aussi transformer ça finalement et en fait le dépasser. Et qu'on avait aussi, donc qu'on pouvait se donner l'autorisation de vivre pleinement. Aujourd'hui, ce que j'ai vraiment, si j'ai un message important à passer, à transmettre vraiment, c'est que si vous voulez ressentir de la joie, si vous avez voilà, vécu n'importe quel traumatisme, je vous assure que c'est une question de décision. Alors vraiment, c'est tellement important que je le redis, il faut le décider, décider d'être en joie. Alors c'est vrai que ça ne va pas se faire tout seul comme ça, mais le fait de le décider réellement, on va l'acter en fait, et quelque part, les vibrations qu'on va émettre en fait vont apporter tout ça et vont nous apporter des expériences qui vont nous permettre de transformer en fait ces émotions douloureuses. Et certainement donc le deuil. Alors, quand je parle de deuil, ce n'est pas nécessairement le deuil juste d'une personne, hein, qui est partie. Ça D'accord. peut être le deuil d'une rupture, hein, tu vois. On connaît aussi quelque chose. Voilà, il y a des deuils comme ça qui arrivent, qui nous font passer en fait d'une émotion de joie, de plénitude à d'un coup plus rien. Et alors là, on se sent abandonné. Voilà, En c'est le détresse. masque. Ouais, c'est ça, vraiment. Il y a le rejet, il y a l'abandon, tout ça qui est là, qui vient donc se rejouer. Et ça prend une amplitude, comme quand on était gosse, en fait. Voilà. On est de nouveau un enfant face à notre détresse et à notre émotion. Et Ah, donc, donc en alors, fait, c'est l'enfant, en fait, ce que tu veux dire, c'est notre enfant intérieur qui vit cette détresse. Nous, on le mais ressent, c'est ça? complètement, ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, on redevient cet enfant. C'est encore plus que juste lui qui est là, c'est que l'on le redevient complètement. Et donc, on est plus à même, en fait, de faire la part des choses et de relativiser. Sur le moment, on vit les choses avec tellement d'intensité que, voilà, il y a cette détresse qui est là. Et en fait, le deuil, quel qu'il soit, c'est un passage obligé. En vrai, si on ne le traverse pas, si on n'est pas OK avec ça, on ne va jamais faire le chemin et on va rester dans un état où on va nier les choses, en fait. Alors que On va l'on a rester besoin. coincé. C'est comme si Voilà, c'est ça. on restait coincé dans un sas. Complètement, complètement. Et c'est vrai que ça va nous handicaper, finalement, c'est là qu'est le trauma. Et vraiment, ça va se rejouer de toute façon dans la vie régulièrement. Donc, on a tout intérêt, en fait, à le dépasser de suite, à l'accepter. Plus on va l'accepter et switcher rapidement, et plus vite, en fait, on pourra donc se mettre dans une autre énergie, ça c'est certain. Qu'on refuse les choses, ça va être compliqué. Donc, il faut Donc vraiment accepter d'avancer. tu dis accepter d'avancer, mais par exemple quelqu'un qui vient de se faire larguer, comme on dit, quelqu'un qui a perdu un être cher, il peut pas accepter tout de suite. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avant? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un peu Alors, c'est là que justement l'acceptation, en fait, ça prend tout son sens. C'est-à-dire qu'accepter, c'est pas dire je suis OK avec ce qui se passe. C'est je suis OK avec le fait de ressentir ces émotions.
d'avoir ce chagrin-là, d'avoir cette détresse qui m'envahit. Voilà. Et donc, la laisser complètement, en fait, nous envahir, effectivement, et la laisser sortir, s'exprimer. Voilà, à ce moment-là, ça va être très, très important. Bien sûr, on peut l'exprimer de n'importe quelle façon, hein. Ça peut être par l'écrit, ça peut être par la danse, par exemple. Hein. On peut danser quand on est en détresse et ça fait beaucoup de bien. Et on pleure et on lâche tout. Donc, ça nous est arrivé à toutes les deux, je pense. Mais voilà, vraiment, ce sont des moments tellement, mais tellement importants. J'assure que vraiment, que c'est le corps a besoin d'exprimer. Voilà. Donc, accepter, c'est ça, en fait. C'est accepter d'être transpercé par et traversé par ses émotions en fait et les laisser sortir et donc ça peut être bon, ben, des cris, des larmes aussi, ça peut être alors besoin de l'exprimer du coup par de l'art thérapie. Voilà, bon, moi je donc, du coup dans mes accompagnements en fait j'amène les personnes voilà, à s'exprimer comme ça et donc notamment je propose aussi un carnet de deuil. Donc, qui est un carnet en fait où on va faire en fait par système de collage. Tu vois, j'en ai quelques exemples ici. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Du coup, c'est un collage en fait qui permet d'exprimer. Donc, tu vois, par des, il y a des symboles. Je suis à l'envers. Donc, du coup, voilà, des symboles donc qui représentent des miroirs en fait, le chemin. Et ça, c'est le personnage, c'est soi, en fait, qui chemine. Donc, sur chaque page, en fait, on chemine comme ça. Et donc, du coup, alors, c'est la première page. Donc, en fait, en premier, on met une couleur. Donc, c'est du papier de soie que l'on va coller. On peut chiffonner, faire des superpositions, ça, comme on veut. Et en fait, ça va nous permettre donc, d'exprimer déjà par la couleur, en fait, le sentiment, l'émotion dans lequel on était à la base. Voilà. D'accord. Et ensuite, après, donc par des mots, donc on va écrire des choses qui sont très significatives pour soi et qui vont permettre en fait de cheminer. Alors là, c'est écrit comme ça. Il y en a un autre ici ça où on a écrit, ton mais carnet, là. Ça m'intrigue. Ah oui. C'est un carnet, hein. Ouais, ça m'intrigue. C'est, voilà. alors, c'est un carnet. En fait, c'est un carnet, tu vois, où on peut les faire de différentes tailles, hein. Enfin, bon, moi, j'ai en petit format parce que comme je suis nomade, il faut que ça prenne pas trop de place. Et tu vois, j'ai ma fille elle qui a voulu faire sur une du A4. Donc voilà. Et ça permet en fait, de toute façon, quelle que soit la taille et tout ça, en fait, l'idée surtout, c'est de pouvoir mettre en matière, finalement, donc, nos émotions par des mots, donc qui vont venir parfois danser autour des personnages aussi, voilà, qui vont venir nous amener en fait à tisser de nouveaux liens avec la vie, finalement, et rejouer ce qui s'est passé. En fait, c'est comme si on regardait tout le fil de notre vie, de ce chemin-là qu'on est en train de faire et qui se déroule sous nos yeux, en fait. Et donc, du coup, ça va nous amener aussi à poser de nouvelles balises dans notre vie et à accepter, en fait, petit à petit, de faire sans ce qu'on a perdu. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Ça se fait vraiment par étapes. Voilà, mais pour ça, il faut pouvoir lâcher en fait les émotions qui sont là, quoi. Et alors, c'est vrai que le deuil se fait par étapes. Hein. Bon, vous le savez tous, voilà, que donc il y a les étapes de Dr Kubler-Ross, du coup, qui a parlé donc des différentes étapes qu'elle avait vues, hein, avec d'abord le deuil. Choc, ouais, du deuil. Du coup, on a le choc, le déni. La dépression, la reconstruction ensuite, et enfin l'acceptation. Et à ce moment-là, du coup, quand on a passé donc ces premières étapes-là, ensuite, enfin, on peut commencer à en fait à transformer ce que l'on ressent et accepter en fait d'avoir des moments de joie, des moments de plénitude. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons donc de ressentir quoi, ces moments-là, mais bien souvent quand on est triste, qu'on est en deuil, ensuite on a un peu de mal à rejouer des moments de joie finalement. Et donc, savoir s'y reconnecter petit à petit, ça va être très très important. Alors, on va le faire par la musique, par la danse. C'est ce que tu manies le mieux, vraiment. Je ne sais pas si je manie le mieux, mais bon, c'est ce que j'aime. Ouais, clairement, bon, tu le fais tellement bien retranscrire, quoi. En fait, ça passe à travers l'écran, tu vois, vraiment. Ah ouais, je trouve fait. Ça génial. Merci. Ah oui, clairement, vraiment. Et oui, donc, du coup, on peut aller aussi faire des connexions dans la nature.
aussi, c'est des moments importants. Et puis, penser aussi à sa posture. Alors, c'est vrai que moi, j'en parle souvent parce qu'en PNL, la première des choses qu'on nous apprend, c'est ça, c'est de savoir respirer et savoir se tenir droit, les épaules un peu en arrière et puis regarder au loin, donc, le menton un peu levé. Et voilà, rien que ça, en fait. En vrai, on peut faire une expérience, tu vois. Tu vas penser, tu vois, à quelque chose qui a été douloureux, voilà, que tu viens de Ah, vivre, hein, voilà. j'ai le choix. Voilà. Et donc, voilà. Alors, tous ceux qui nous regardent, faites pareil. Je vous invite donc à penser à une situation qui n'a pas été cool du tout et vous le pensez en regardant en bas. Voilà. Alors, vous êtes bien dans l'émotion. C'est dur, c'est douloureux, ça peut être attristant. Et on regarde bien en bas, en fait. Et là, vous sentez bien l'émotion qui vous envahit. Ça peut être du stress. Voilà. Donc, vous laissez avec ça. Et maintenant, vous allez regarder en haut. Alors, je t'invite à regarder au plafond et à repenser à la même émotion, à la même situation. Voilà. Et là, de suite, je t'invite à me dire ce que tu ressens. Est-ce que tu vois une différence, du coup? Ah ouais, je vois une différence. Quand je regardais en Voilà. bas, l'émotion était en train de monter comme ça, comme si elle allait m'envahir. Et quand j'ai regardé en haut, c'était plutôt le contraire, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est que physiologiquement, en fait, à partir du moment où on lève le regard et qu'on regarde plus loin, plus haut, tout se transforme finalement, notre perception des émotions se transforme. Et ça va être super important, c'est quand on va vouloir reprendre du poil de la bête, quoi, parce qu'on l'aura décidé, le fait que ce soit difficile intérieurement, mais que soit on regarde au loin, rien que ça déjà, regardez au loin, un peu plus haut, vous levez la tête, vous vous redressez. On respire C'est et là, curieux. de suite, les émotions sont différentes. C'est curieux ce que tu dis parce que l'autre fois, enfin c'était mercredi, je crois qu'il faisait beau, j'étais marcher dans les bois et je me suis dit, ouais, Marie-Rose, il faut que tu regardes au loin. Parce que j'avais lu dans un magazine que les personnes en dépression, il fallait regarder au loin. Quoi. Tu C'est marchais, tu regardais au loin. exactement Et je ça. me suis dit, ouais, Mais tiens, ouais. je vais faire ça en fait. Et puis toi, t'en parles et non, c'est vrai. Donc c'est quelque Ouais. chose que je vais Il faut faire. vraiment mettre en pratique. Ouais, ça. Puis toi, c'est Ouais. tellement ça. C'est très simple. En fait, c'est à portée de main. On peut tous le faire. Ouais. Et même si on est en ville, hein, c'est pas grave. Je veux dire, voilà. Vraiment, la question de la posture est très importante. La Ouais. physiologie fonctionne comme ça, quoi, clairement. Oui, Donc, du coup, passer par voilà. le corps, passer par le corps, en Ouais, fait. Le corps, mais il est, vraiment enfin, ça. c'est un instrument. Waouh. Ah, mais c'est vrai, hein. C'est une machine très, très bien faite. Et en Ouais. réalité, il suffit de savoir s'en servir. On a une Ouais. Rolls. Il faut apprendre à la conduire, en fait. Voilà. Conduire, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et alors, donc, voilà, par des musiques comme celle que tu nous as passées, là, trop Ouais. sympa. Voilà, je vous invite à la mettre dans votre top list parce qu'elle est géniale, vraiment. Alors, moi, Ouais. j'en ai une aussi que je viens de découvrir, en fait, qu'on m'a transmise, Ah ben que vous j'ai hâte devez de tous l'entendre. connaître. Ouais, moi, je suis sûre que tu la connais, c'est Fire. C'est un des nouveaux tubes, hein, de ces dernières années là. Mais on le partagera du coup en commentaire pareil. Et vraiment, ça Ouais. met une pêche, mais un feu. Alors, mais vraiment, et moi c'est celle de la motivation, tu vois là. Vraiment, j'y vais, D'accord. c'est rouge, ça y va, c'est le feu, tu vois. Et vraiment, quoi, Ouais. ça emporte. Et voilà. Alors, en fait, quand on veut se connecter à une émotion de joie, il s'agit, voilà, de se donner les moyens comme ça. Voilà. Bon, donc, c'est vrai qu'il faut sortir un petit peu de son truc. Et, enfin, quand on pleure, quand on n'est pas bien, voilà, qu'on a plus envie d'écouter ce truc nostalgique ou de se mettre dans son cocon. Et c'est OK. Je comprends très bien. Bien sûr, on peut avoir ce Pour un moment-là temps. parce que ça fait partie. Voilà. C'est ça. Pour un temps, ça fait partie du deuil. Ouais. Maintenant, quand on décide qu'au bout d'un moment, vas-y, je ne vais pas passer ma vie comme ça, en fait. Ouais, j'ai envie de vivre autrement, de vivre autre chose. Et que, bien, c'est vrai que je ne sais pas comment je vais le faire, en fait. Moi, c'est ce que je me suis dit, clairement. Je ne sais pas comment je vais continuer, en fait. Bon, mais je sais que j'ai envie de continuer. Voilà. Alors, on peut avoir un moment de bascule où on se dit, j'aimerais bien partir. Ça, c'est OK aussi. Ouais, ça m'est arrivé. J'ai voulu partir alors que j'avais mes enfants, mais je me suis dit, voilà, j'ai tellement besoin de le voir que du coup, j'ai envie de le rejoindre, effectivement. Et voilà, et c'est vrai que le fait d'avoir de la bienveillance avec soi, d'accepter ça nous permet ensuite aussi de pouvoir embrasser de nouveau la vie complètement, pleinement.
Et aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai juste une putain d'envie de vivre. C'est complet. Je veux juste vivre mes rêves, vivre les expériences que j'ai souhaité avoir, en fait. Et du coup, je me retrouve vraiment à être actrice de ma vie, actrice chaque jour. On est les architectes de notre vie. Voilà. Mais pour ça, ben, Tout à oui, fait. il faut sortir un petit peu notre zone de confort, il faut donner un peu les moyens. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile sur au début, mais je vous Oui, c'est ce assure que qu'au j'étais moins, en train ça. de. J'étais en train de me poser la question, comment est-ce que on passe de où on est en pleurs, on est triste, à dire je décide, parce que j'ai l'impression que qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui nous amène à dire je décide en fait? C'est ça que je. Parce que toi, tu as des outils, tu as été formée, mais des personnes qui n'ont pas des outils, enfin, comment elles peuvent prendre conscience qu'il faut qu'elles décident pour changer, enfin, pour avancer, enfin. Ben moi, je me pose la question. Ouais. Alors, déjà, ce qui fait qu'on va le décider vraiment, qu'on va changer quelque chose, c'est qu'on va avoir on va se connecter en fait à une vision de soi où on n'a pas envie de rester dans l'état actuel. Voilà, c'est ça. Alors donc du coup, on va se dire, bon, moi en fait, qu'est-ce que c'était à la base mon but, mon objectif, mon gros kiff? Qu'est-ce que je rêvais de vivre? Alors, ça peut être, ben voilà, bon, ben, du coup, de vivre, bon, moi personnellement, du coup, c'était mon projet, vivre mon projet avec mon mari, tout ça. Si on devait se retrouver à un moment donné, on s'est dit, on va arriver en fait à créer donc ce projet de partir vivre en camping-car. Et voilà, et on s'était dit qu'on allait se retrouver sur la plage de Bali, d'ailleurs, et qu'on serait là avec nos petits-enfants, voilà, qu'on verrait jouer, tout ça. Une bière à la main. OK. Bon, bien, ça, du coup, c'est vrai que c'est plus possible. Mais pour le coup, je me dis, ben, voilà, c'est quand même quelque chose qui m'anime encore. Ah, je sais. Il y a un petit problème de connexion, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Et bon. là, pendant que tu parlais, j'ai vu il y a un commentaire, je ne sais pas si tu vois, de D'accord. Verena. Ah non, moi j'ai pas de. Je Ah, vois pas elle les dit commentaires. bonsoir, moi je n'ai pas les outils pour changer, mais j'ai compris ça tout seul, je crois que c'est ce qu'elle a voulu dire. Ok, super. Ben, c'est vrai que de toute façon, d'instinct, quand on a envie, de toute manière, que quelque chose bouge, quand on met cette intention-là, je crois que réellement, déjà, le corps par lui-même est très bien fait et va aller mettre le focus en fait. Vous savez, c'est le système réticulé activateur, en Particulière. fait, voilà, qui s'active. Et donc, il se met en route pour mettre le focus, finalement, sur tout ce qui va pouvoir nous aider. Donc, on va commencer à se connecter à tout ce qui peut nous inspirer. Donc, que ce soit notre vision, que ce soit des personnes qui ont déjà dépassé ou traversé ce que l'on traverse. Donc, comme ça, on va se reconnaître dans la personne, en fait. Et donc, on va faire une sorte de mimétisme. Et en fait, ça va nous driver. On va s'accrocher à cette personne et on va remonter le fil finalement. Et alors, même si c'est long, même si il y a des hauts et des bas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quoi, actuellement, il y a des personnes qui me suivent juste pour ça, bien simplement parce que je leur donne espoir finalement qu'un jour, peut-être, ça peut changer. Voilà, que leur état émotionnel peut changer et qu'elles ne vont pas forcément rester dans cette solitude éternellement. Et ça, c'est super important en fait, donc de trouver quelqu'un qui nous inspire finalement et qui nous donne envie, qui nous donne envie d'essayer, de tester, de continuer. Voilà. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est passé par là ou quelqu'un, enfin, peu importe. Alors, souvent, oui, c'est quelqu'un qui est passé par là, parce que du coup, on se reconnaît dans la personne, forcément. C'est, ça va nous aider en fait à nous projeter. Après, c'est pas forcément, c'est pas une obligation non plus. Alors, il y a des personnes qui vont pouvoir être inspirées par des films, par exemple, des passages de films. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, mais pourtant, c'est vrai qu'il y a des films comme ça qui peuvent vraiment inspirer et qui aident en fait à dépasser certaines étapes, en tous les cas. En fait, il y a Voilà. plusieurs Alors, outils, on peut trouver l'aide ouais, partout. Et comme tout tu ce qui disais, tu inspire. parlais du système réticulaire, donc c'est C'est ça qui va ça. nous driver. Ouais, vraiment. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend la décision, de toute manière, que c'est bon, stop, c'est fini, j'ai assez pleuré, maintenant j'ai envie d'aller vers le mieux. Alors c'est sûr, c'est pas du jour au lendemain, mais voilà, d'aller vers le mieux. Du temps, Du se donner du temps, se ouais, laisser du temps, quoi. ouais, c'est ça, vraiment, mais vraiment. De toute façon, le corps, il va, et le psychique, ils vont pas transformer de suite, ça c'est certain. Mais petit à petit, en fait, on va être capable, en réalité, de regarder derrière nous.
et de se rendre compte que l'expérience que l'on vient de vivre, finalement, c'est un sacré cadeau. Et même si c'est super dur, c'est un putain de cadeau mal emballé. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est vrai que... Voilà. Quand tu le vis au moment, tu dis non, tu as envie de mourir. Tu as juste envie de mourir. Ah, non, mais clairement, clairement. Et puis vraiment aussi, mais c'est quoi cette vie de merde, quoi? Voilà, bon, j'avoue que il y a des fois où on accumule, et oui, on a le droit d'être en colère, d'en vouloir à la vie, d'en vouloir à la terre entière. Voilà, et c'est OK. Et à partir du moment où on a décidé, en fait, que stop, on en a marre de vider notre sac et notre pu et tout ça, et toute notre colère, en fait, à ce moment-là, il se passe quelque chose de magique, vraiment. La vie va nous apporter en fait petit à petit juste ce dont on a besoin. Voilà, vraiment. Avoir une confiance en la vie à ce moment-là, c'est très important. Alors, les personnes qui sont spirituelles, qui vont être peut-être croyantes, pour elles, ce sera encore plus facile peut-être de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a forcément, c'est comme un levier, quoi. On découpe les choses, quand même. Mais c'est pas parce qu'on est croyant que ça va être simple. Au départ, on peut en vouloir non, à pas Dieu. Du tout, hein. Voilà, c'est ça. On se demande pourquoi on nous donne à vivre ça, et voilà, et c'est OK. C'est OK parce que, bien sûr, ça fait partie de ces moments où on est obligé de se réajuster, quoi, finalement, avec ce que nous donne la vie à vivre, et puis nous, nos émotions, ce qu'on ressent, et voilà, et puis ben, on se débat. On se débat. Il y a tout ça à gérer, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est vrai que quand tu le vis consciemment, parce que moi, j'ai vu ma vie, enfin, ça me semble loin maintenant, où j'ai vécu les choses difficiles, mais je n'étais pas vraiment consciente. Je ne sais pas si tu comprends, j'étais un peu dans... Voilà, et je ne gérais pas vraiment les choses, je vivais les choses, c'était difficile, donc je subissais. Tandis que là, c'est les dernières épreuves, là, eh bien, j'étais vraiment consciente, j'avais le choix, en fait. Je me disais, ouais, soit je me laisse couler, ou soit je choisis, ben, j'avance, quoi, je me relève et j'avance. Tu sais, j'étais là, je voyais les deux choix, les deux possibilités. Et après, c'est je ça. Dis, ben non, moi, j'ai envie de vivre, j'ai des choses encore à vivre, j'ai des Et ouais. choses à créer. Et donc, tu choisis, C'est ça. mais bon, après, c'est comme tu dis, décider, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Ouais, non, c'est sûr. Alors, c'est vrai que la décision, c'est très intellectuel, hein, sur le moment. C'est pas du tout quelque chose que l'on va intégrer dans notre émotion, c'est certain. On le décide, mais on n'est pas prêt. On Ouais, n'est c'est pas prêt, ça. ça fait C'est mal. ça. Et Ça des fait fois, on ne sait mal. pas comment faire. Des fois, Et tu ouais. sais pas comment faire. Tu dis, tu veux t'en sortir, mais comment? Mais comment? C'est ça, c'est ça. Et vraiment, et alors là, à ce moment-là, ça va être très important, en fait, d'avoir plusieurs étapes. Déjà, donc du coup, voilà, on intègre la réalité, hein, au départ, c'est vrai. Ensuite, on accepte. Puis, c'est là qu'on va pouvoir demander du soutien. Voilà, c'est important de pouvoir Tout à fait. parler. Voilà. Tout à Il y a fait. des personnes qui sont passées par là, il y a l'entourage qui peut nous soutenir, c'est parce que voilà, les personnes sont bienveillantes et genre, ont envie de nous accompagner, même si elles sont parfois maladroites, hein, c'est pas toujours le top, mais Oh, n'empêche ça que va voilà. aller. Ouais, c'est ça, beaucoup à minimiser. Mais bon, c'est vrai que c'est important quand même d'aller chercher du soutien. Après, on peut trouver du soutien aussi dans des groupes qui ont vécu la même chose aussi, hein. Il y a tout un tas de groupes avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui existent ou en présentiel aussi. Et ça aide vraiment le soutien, hein, des autres. Hein. Ça aide Ouais, vraiment. non Hein. mais C'est comme ça vraiment, que tu n'es ça, pas clairement. là, seul avec ton truc, là. C'est ça, vraiment. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de trouver des personnes qui vont peut-être pouvoir vraiment être dans l'écoute active. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment savoir écouter sans justement minimiser, sans dire bah, tu vas oublier ça, ou alors de suite parler du cadeau caché, mais qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça. C'est vrai que sur le moment, quand on est dans ce moment en fait, où c'est difficile, on a juste besoin en fait, d'être entendu. Qu'on nous dise OK, tu as le droit de ressentir ça en fait. Voilà, à ce moment-là, c'est vraiment ça. Donc, et Il y ça, a je m'en l'écoute active. Ouais, vas-y. Non, je suis en train de lire un commentaire. Je finis et puis Ah, après, mais je te lis vas-y, le vas-y. commentaire. Donc, c'est Ok. Verena qui dit, personnellement, je n'ai pas vraiment décidé. Je pense que nos défunts nous aident beaucoup à avancer aussi. Je n'ai pas eu d'entourage. Elle dit qu'elle n'a pas eu d'entourage. Donc, elle pense que c'est ses défunts qui l'ont aidé à avancer. Suis tout à On fait partage d'accord. ça. C'est vrai que D'accord. c'est la perception qu'on peut avoir à ce moment-là. C'est vrai que c'est...
on s'imagine pas à quel point nos croyances peuvent être importantes et impactantes à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est des pensées auxquelles on se raccroche vraiment parce qu'on ressent tellement la personne. Moi, je veux dire que quand je dis que j'ai dansé en pleurant, réellement, je sentais mon mari qui était là et qui m'aidait à danser. En fait, je l'appelais d'ailleurs, je lui ai demandé de venir m'aider parce que je n'arrivais pas à danser. Et c'était ce jour-là, le coaching que je faisais me demandait de danser. Et je me disais, je n'étais pas du tout en état, mais j'y arrivais pas, quoi. C'était pas possible, en fait. Et du coup, je lui ai demandé de m'aider. Et réellement, quand je l'ai senti venir derrière moi, il a commencé à bouger et à m'amener finalement dans cette danse-là. Et réellement, tu vois, alors je pleurais, je dansais en même temps et je voulais plus que ça s'arrête après. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai senti son éloignement, à un moment donné, ça a été difficile pour moi. Mais ce moment-là, bon, je me suis dit en fait, je ne suis pas seule. Il ne m'a pas laissée. En réalité, il est juste sur un autre plan, mais voilà, il est toujours là à m'accompagner, quoi, finalement. Et c'est la même chose, quoi, pour qui que ce soit qu'on est perdu. Et je veux dire que même si c'est pas le deuil d'une personne, mais que c'est le deuil d'une histoire ou autre, hein, ça peut être aussi une situation professionnelle, quoi que ce soit, en fait, on est toujours accompagné, je veux dire, par quelque chose de toute façon qui est au-dessus de nous. Et qu'on peut ressentir, on a des guides, on a des. Voilà. Mais bon, mais sûr, si on n'a pas ce croyance-là, du coup, on va devoir se raccrocher à autre chose. À autre Donc, chose, ouais. voilà. Peut-être un Donc à quoi? environnement social. Ouais, les amis, tout ça, je veux dire. Ouais, voilà. Il y a des personnes qui sont là, il y a aussi des professionnels, hein, enfin, évidemment, sur les thérapeutes sont là pour ça, les coachs aussi. Hein. Bon, mon travail, c'est ça aussi, c'est Oui, d'accompagner dans ce moment-là. t'es experte dans le deuil, donc Ah, voilà, les ouais, personnes ouais. savent vers qui se tourner. C'est ça, Florent. Et puis c'est vrai que ce qui est important, mais surtout, encore une fois, c'est de pouvoir être entendu, voilà, sans être jugé. D'ailleurs, j'ai créé une petite formation sur la communication qui se décline en plusieurs parties, donc sur une semaine. Et il y a une partie qui est sur l'écoute active, justement, qui explique comment on écoute, en fait, sans interférer, finalement. Alors ça, c'est important pour pouvoir l'offrir, en fait, l'offrir aux personnes. Parce que bien souvent, on imagine, on se dit qu'on est là pour soutenir. Et au final, même si c'est par bienveillance, on peut avoir des mots qui sont Pas. malvenus. Voilà, Ouais. c'était pas le moment. Voilà, c'était pas le moment de ça. Juste, la personne avait besoin juste d'être entendue, finalement, tu vois. Donc, c'est important d'apprendre à écouter. Et qu'on soit coach ou pas, qu'on soit thérapeute ou pas, psychologue ou pas, voilà, c'est avoir un ami qui sait écouter, c'est d'une richesse, c'est tellement précieux, et vraiment quoi. Donc voilà, savoir, donc chercher donc du soutien donc dans l'entourage, ensuite considérer du coup nos émotions, bien sûr là, parce que et puis encore une fois, les émotions elles sont là, ça peut durer, peut-être qu'au bout d'un an, voilà, c'est qu'on a des dates anniversaires parfois qui sont là et qui viennent blesser, parce que du coup, ça ravive le manque finalement et ça vient résonner encore plus fort. Et du coup, à ces moments-là, justement, il faut savoir aussi accepter. Alors, j'aime pas le terme il faut, mais voilà, c'est important en tous les cas de se laisser traverser par ces émotions-là. Peut-être mettre une petite bougie ou faire un petit mot. Pour vider en fait ce que l'on a, peut-être honorer ce qu'on a perdu aussi, même si c'est une relation et que voilà que ça s'est mal terminé, on peut aussi voilà, honorer cette relation et en fait remercier Oui, pour parce que sa ça nous venue. a apporté, parce que Voilà, c'est cette ça. relation nous a apporté quelque chose. Ouais. Et puis il y a eu des moments magiques, peut-être de bonheur aussi, qui sont pas à mettre de côté finalement, qui font partie aussi de cette recette. Voilà, donc c'est important. Après, donc, du coup, on va être amené donc à comprendre le fonctionnement en fait du traumatisme. Ça aussi, c'est important, savoir ce qui se joue finalement à ce moment-là. Pourquoi on est touché et pourquoi c'est là? Pourquoi c'est si important de traverser tout ça finalement pour pouvoir aussi se reconstruire? Ça fait partie. Tu sais, c'est comme si quand on se blesse, on a une plaie.
Et en fait, cette plaie, elle va devoir cicatriser. Alors, c'est vrai que ça gratte, voilà, parfois ça gonfle, ça rougit, c'est très inconfortable. Mais si on ne passe pas par ça, on sait très bien que jamais, jamais ça va cicatriser et guérir. Ouais, Bien, c'est voilà, clair. c'est. Ouais. Et même d'ailleurs, une cicatrice qu'on va avoir, donc, quand c'est vraiment guéri, on peut avoir une grosse cicatrice. Et en fait, on peut en faire quelque chose de très beau. Regardez les femmes qui se font tatouer, voilà, quand elles ont eu une ablation du sein, elles se font tatouer des fleurs. Maintenant, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant et c'est magnifique, quoi. Vraiment, c'est une transformation incroyable. Et en fait, on en fait des œuvres d'art, quoi, finalement. Voilà. Il y a toujours, bon, c'est très, très imagé, mais voilà, juste pour dire que ce passage qui est inconfortable est nécessaire et il faut comprendre ce fonctionnement-là, en fait. Comprendre comment le traumatisme, en fait, va se guérir en passant par tout ça, par tout ce chemin. Voilà. Ouais, et c'est douloureux, hein, tu sais, quand tu dis que tu dois passer par ce chemin, comme je dis, c'est Mais comme oui. un chemin initiatique, tu sais, c'est ta douleur qui est Complètement. là. Mais il faut laisser la douleur te traverser parce que sinon, ben, il n'y a pas moyen de guérir. Tu peux pas, Eh oui, enfin, tu peux pas c'est ça. guérir. Sinon, tu restes tout le temps dans ta peine. Enfin, tu n'avances pas. Tu es coincé. Il y a des Eh personnes ouais. qui passent leur vie. Enfin, ils ont vécu un deuil, n'importe lequel. Ben, ils vont rester jusqu'à leur mort, ben, dans leur tristesse, dans leur colère. Enfin, et c'est terrible, hein? C'est terrible de ne pas Ouais. avoir dépassé ça. Ben, c'est ça. Et puis, bien souvent, tu vois, tu sais, on reste à tourner en rond, en fait, en boucle, avec des fausses croyances aussi qui sont là. Donc, il y a des croyances qui sont pas aidantes, qui limitent vraiment. Et en fait, ça vient faire remonter tout ça, hein, quand on est dans la douleur. Et du coup, ces croyances-là, quand on arrive en fait à les voir déjà, à les entendre, et du coup à les canaliser, et donc à les transformer ensuite, c'est vraiment important. Parce que du coup, c'est ce qui va faire que l'on va commencer à vraiment se transformer profondément. Et alors là, c'est vraiment voilà, la PNL complètement là. Tu dis Parce que du coup, profondément, profondément. Donc, quand Ouais. tu dis profondément, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, il y a une transformation fulgurante. Alors, ce n'est pas forcément fulgurant, mais en tout cas, c'est un non-retour. C'est en ça que c'est profond. C'est quand on va vraiment lâcher, c'est comme un serpent qui mue. Voilà, on va lâcher notre ancienne personnalité, avec nos anciennes croyances. Et tu vois, on va accepter du coup, parce qu'on a décidé, du coup, on va accepter de revêtir une nouvelle personnalité où on va être beaucoup plus fort. Voilà. C'est vrai, bien souvent, on parle des super-héros, tu vois, où on les voit super forts, tout ça. Mais en réalité, tous les super-héros, ils ont toujours un talon d'Achille, quoi. Et quand ils ont, en fait, leur super-pouvoir, en général, ils l'ont parce qu'ils ont eu, à un moment donné, une expérience douloureuse. Regarde Batman, tu vois, il a eu peur du noir, en fait, et il était avec des chauves-souris, tout ça, et il avait une peur terrible du noir. Ben, tu vois, il en a fait sa force, finalement. Voilà. Superman, lui, c'est la kryptonite, si je me... comme ça, si je me souviens bien. Et tu vois, qui C'était sa faisait très, faiblesse, très ouais. peur. C'était sa faiblesse, la Ouais, c'est sa kryptonite. faiblesse, ouais. Bon, ouais. Et en fait, ça montre bien finalement enfin, ça, c'est des images qui ont été créées, des personnages qui ont été créés par l'humain, mais qui nous montrent bien le fonctionnement humain. Quoi, que finalement, ouais, quelque chose qui est. En fait, toute force, elle arrive parce qu'il y a eu une faiblesse à un moment donné, au départ. Et voilà. Et ça, en fait, on peut le transformer. Ouais, j'en parlais d'ailleurs ce matin dans mon live, quoi, et Ouais, c'est ce que j'expliquais. j'ai vu, Donc, mais je n'ai pas encore écouté ton live, mais je dis, ah bah ouais, tiens, ça. je vais Mais c'est l'écouter vrai, parce que. c'était tout à fait ça. Voilà, j'expliquais en fait en gros quand j'étais enfant, en fait, je parlais très mal, j'articulais pas. C'était compliqué. Et, ouais, vraiment. Et c'est vrai que bon, je me suis sentie humiliée, hein, bien souvent, mais voilà, parce que j'avais pas une bonne élocution, en fait. Et donc, du coup, quoi, c'est que je me suis, en fait, je me dis aujourd'hui, voilà, que justement, je dois dépasser tout ça. Alors, en fait, le fait de faire des visios, tu vois, et de parler comme ça en caméra, quoi. En fait, déjà, pour moi, ça a En été plus un en gros live, challenge. en plus, hein. C'est Le ça, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas droit à l'erreur, quoi. one shot, C'est ouais. ça. Mais j'assure que les premières fois, mais j'avais le cœur à la patate pas possible, C'est cloué vrai. à mes notes et tout. Ah ouais, mais vraiment, pour moi, c'était très, très dur. Et du coup, ben, je faisais de la cohérence cardiaque avant. J'essayais, voilà, essayer de m'ancrer Rétablir. vraiment. Ouais, ça, j'ai vraiment tout fait pour arriver, quoi, quand même, ben voilà, dépasser ma peur finalement. Et puis je me suis dit, mieux vaut fait que parfait. Hein, voilà, alors ce sera comme c'est.
Mais au moins, voilà, j'essaye. Et c'est pareil pour mes podcasts, tu vois, où pour le coup, on n'entend que ma voix. Et là, c'est terrible. Pour moi, j'ai du mal même à me réécouter parce que j'ai l'impression que je lis, que je suis. Et voilà, j'ai l'impression que ce n'est pas naturel du tout. Et tu vois, mais malgré tout, voilà, je ne m'arrête pas pour autant. Tu vois, j'ai quand même Ouais, je continué. Tu sais, continue. parce que vraiment, je veux Ouais. améliorer ça. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir transmettre. En fait, et transmettre ce que j'ai appris, mes connaissances en fait aux autres, parce que c'est ce qui moi me permet en fait déjà de, ben, déjà ça donne un sens à ma vie. Voilà, c'est en Ouais. ça que moi je trouve de la joie aujourd'hui, tu vois. Et pour moi c'est super important C'est ta de mission. transmettre ce que Voilà, c'est. c'est en fait tu veux délivrer ton message, et même si ta manière de le faire, c'est pas voilà, c'est pas fait comme un grand, c'est pas ça le plus important, c'est que tu livres le message, et puis tu sais, avec toute Ouais, ton âme en fait, toute ton âme, et c'est puis avec la ça. personne que tu es, c'est ça le plus important. Exactement, vraiment. Ouais. Et puis, Et ben, tu vois. c'est comment ça s'appelle, c'est sincère, c'est vrai, quoi, tu vois, c'est pas un truc Ouais. fabriqué. Non, c'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'on se retrouve vraiment, tu sais, comme des enfants qui ont découvert en fait un joyau magnifique, un super trésor. Et voilà, et Le on a juste partager. envie de le partager. Et voilà, c'est ça, on est tous ensemble. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai ça. En fait, ça va nous sauver, tu vois. Et réellement, pour moi, Ouais. c'est ce que je ressens dans toute mon authenticité, quoi, clairement. Bon, moi, je sais que je l'expérimente encore mieux tous les jours, vraiment, quoi. C'est ce que j'apprends. Donc voilà, je Non, veux dire, c'est c'est pas pour rien qu'on vit des choses difficiles, que ce soit dans l'enfance ou après. Et on peut toujours en faire quelque chose de vraiment d'important, de magnifique, et qui va nous servir en fait à servir les autres. Voilà, oui, vraiment. c'est ça, C'est tout à fait. ouais. Pour moi, c'est ce que je C'est tout ce pense. qui fait que ça donne du sens. Ouais. Ouais. Il y a Isabelle qui dit la douleur se calme. Donc, je pense qu'elle dit par rapport à ce qu'on avait discuté auparavant, qu'à un moment donné, eh ben, la douleur, quand tu choisis, enfin, de la laisser être, à un moment donné, elle s'apaise, quoi. Elle se calme. Mais c'est vrai. C'est vrai que elle devient moins violente avec les années, suivant ce qu'on a pu vivre et à quel point on a été affecté. Après, elle peut rester là et c'est OK, c'est normal, c'est à la hauteur de l'attachement qu'on a eu en fait à ce qu'on a perdu. Mais disons voilà, ce qui est important surtout, c'est de ne plus regarder à un moment donné, on se rend compte en fait qu'on ne regarde plus en arrière en pleurant. Voilà, moi j'en suis là, c'est que j'ai plus l'envie de pleurer en fait, Ouais, et j'ai t'as plus trop envie pleuré, t'as plus d'honorer. d'armes. Non, ouais, clairement. Mais là, j'ai juste envie de vivre, d'être dans la joie. Voilà, vraiment, Ouais. c'est ce qui m'inspire le plus aujourd'hui, maintenant. Voilà. Alors c'est vrai que jusqu'à présent j'étais plus dans l'amour, et maintenant c'est vraiment la joie. C'est-à-dire que La joie. j'ai envie d'allumer Ah, ce ça, feu, tu ouais, vois. c'est C'est ce qui ça. m'attire avec Mais toi. l'amour est toujours là. L'amour est toujours là. Ouais. Ouais, mais alors parfois on peut l'oublier, hein, l'amour. C'est vrai que je sais que j'ai eu un moment effectivement où je savais plus aimer, je savais plus, mon cœur s'était fermé. Et voilà, j'ai eu besoin de réapprendre tout ça. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est une décision. Vraiment, c'est voilà, d'avoir le cœur ouvert, laisser son cœur s'ouvrir à nouveau, tu vois. Et c'est vrai que voilà, c'est tout est question de décision quand même, vraiment. Alors Ouais, la c'est décision. vrai que alors, on a le droit, hein, de ne pas décider aussi, de se dire non, mais je suis pas prêt, je ne suis pas prête. Et donc, du coup, de laisser encore un peu de temps, ouais, c'est OK. Il y a une Après, voilà, si question. on. Attends, Isabelle a dit, vous avez dit guérir la douleur? Ouais. On peut guérir la douleur, réellement. C'est-à-dire que ça se fait par étapes. Et non, vraiment, il faut laisser le temps au temps. Chacun est différent, par contre. On peut pas donner un temps. Même pour soi, on peut avoir vécu la même expérience plusieurs fois, ce sera encore un temps différent à chaque fois en fait. Bon, voilà, Ouais. c'est faut vraiment respecter cette authenticité-là aussi Se dans ce respecter qu'on aussi. ressent. Ouais, vraiment, ça c'est clair. Mais guérir, ça ne veut pas dire qu'on oublie du tout. Au contraire, on n'oublie pas jamais, et c'est pas ce qui est demandé en fait. Guérir, c'est savoir continuer à vivre avec, arriver à mettre des fleurs sur la douleur quand même, et puis pouvoir offrir le plus beau cadeau qu'on a découvert, c'est que ça nous a aidé à travailler comme compétence, parce que forcément, ça nous amène à travailler des choses, et si on peut l'offrir en fait, l'offrir
à notre communauté, à notre entourage. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, hein. Et ça, c'est s'honorer aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Isabelle qui apparemment, elle dit, est-ce qu'on ne confond pas, par exemple, le fait de, enfin, parce qu'elle dit, au début, elle disait, elle posait la question, guérir la douleur. Est-ce que vous avez dit guérir la douleur? Après, elle marquait, enfin, se calme, enfin, la douleur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là. C'est plutôt pour elle, c'est ça plutôt de calmer la douleur que de guérir. Je crois que c'est ce que, parce qu'elle pense que c'est, on Alors, confond. peut-être que Isabelle, tu es peut-être encore très atteinte. Ça se peut aussi. Peut-être que tu es en difficulté par rapport aux émotions que tu ressens. Et je me dis que c'est normal de ne pas pouvoir se dire. Parce qu'en fait, à un moment donné, même si on voudrait guérir, on se dit que ce n'est pas encore possible. Ce n'est pas possible parce qu'on ne veut pas lâcher. On a vraiment le sentiment, à un moment donné, c'est de qu'on que comme si on niait finalement, on allait nier notre attachement ou notre amour pour ce qu'on a perdu, si on accepte finalement de guérir et que vraiment cette douleur se calme à tel point qu'on ressente finalement de la joie et du bonheur. Et je crois que vraiment, il n'y a que le temps. Le temps et la décision qui font qu'à un moment donné, en fait, ça se crée. Et on regarde l'expérience finalement avec un autre regard. On a beaucoup moins de douleur, effectivement. Et même, enfin, moi personnellement, je sais que j'en viens à dire merci. Aujourd'hui, je peux remercier pour tout ce qui m'est arrivé, alors que c'était pas simple du tout. Je suis sûre que pour ceux Parce que qui toi, connaissent mon Delphine, histoire. tu as pas vécu qu'un seul deuil, toi. Tu en as vécu Non. trois, je crois, non? Ouais. Alors en fait, en vrai, j'ai vécu trois deuils de conjoints, mais il y a eu aussi donc la cousine de mon second qui venait donc pour me soutenir en fait, donc qui était jeune, hein, qui avait 33 ans, 32, je sais plus, et elle venait avec ses deux petites qui avaient 4 et 6 ans, et en fait, elle n'est jamais arrivée chez nous, elle s'est tuée en voiture avec ses deux petites. Donc voilà, sur ça, j'en parle pas forcément. Mais il y a eu ça quand même, un mois après le décès du second, quoi. Donc, je veux dire, c'était quand même, voilà, j'ai quand même vécu des choses assez impactantes. Après, il n'y a pas eu que ça, hein. J'ai vécu aussi des attouchements, en fait, quand j'étais enfant. Donc, ça aussi, il a fallu que je fasse le deuil de ça en grandissant. Et alors, ça m'a beaucoup impactée. J'ai dû me séparer de ma famille aussi, ça a été un déchirement. Voilà, parce que moi j'ai décidé en fait, ils étaient dans une communauté et moi j'ai décidé du coup de me séparer de cette communauté à 21 ans. Et sauf que je savais très bien que je n'allais plus pouvoir avoir les mêmes contacts avec eux, je ne pouvais plus leur parler ensuite. Donc voilà, je n'ai pas vécu que des deuils donc des De deuils perte de. de personnes en fait. Voilà, j'ai eu des ruptures aussi amoureuses, hein, faut pas croire. Voilà, j'ai vécu des choses hein, qui m'ont été difficiles. J'ai perdu aussi, on a perdu un petit frère hein, quand j'étais petite aussi. Donc voilà, la vie m'a donné à expérimenter tout un tas de choses en fait finalement. Et qu'aujourd'hui, pour moi, je suis capable aujourd'hui de voir tout ça comme des cadeaux. Vraiment, réellement, pour moi, parce que ce sont des choses qui m'ont permis déjà de grandir, de devenir quelqu'un d'autre, de me respecter, de me choisir, tu vois. Et même aujourd'hui, en fait, à chaque fois que je vis quelque chose de difficile, j'essaye de voir. En fait, d'avoir une autre perception, de voir de suite ou le plus rapidement possible comment je peux m'en servir comme une opportunité. Je me dis, OK, c'est compliqué, c'est difficile, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux apprendre à faire là, de suite, maintenant, avec tout ce que j'ai appris, tous les outils que j'ai appris, en fait. Et là, c'est important. Là, c'est riche. Et réellement, moi, c'est ce que je vis encore présentement. Mais vraiment, on peut voir les choses avec le verre à moitié vide et on peut voir le verre à moitié plein, en fait. Donc vraiment, tout est question de perception et l'idée, c'est de commencer à se focaliser le plus possible sur ce qui va bien, avoir de la gratitude pour la chance que l'on a. Ouais, moi, j'ai mes 4 enfants, déjà, c'est énorme. J'ai quand même un toit sur la tête, où que j'aille, je suis quand même accueillie. Voilà, dans la France entière, je veux dire, j'ai des personnes qui m'accueillent. Là, j'ai réussi à être amenée, alors que je n'avais pas de voiture, quelqu'un m'a amené quand même à mon nouveau logement, là où je suis hébergée, quoi. Donc, voilà, tout ça pour moi, c'est énorme, quoi. Vraiment, quand même, on me laisse continuer mon activité.
Donc, alors que c'est, voilà, c'est pas forcément évident hein, pour tout le monde, c'est un autre rythme de vie, une autre façon de vivre et que voilà, tout le monde doit s'adapter. Et pour moi, c'est incroyable. Donc, actuellement, en plus, je suis quand même dans un coin super beau au Pays Basque avec des montagnes autour. Ben, voilà, il y a quand même des choses. Quand on veut avoir de la gratitude, on peut voir très rapidement en fait la chance qu'on a. Rien que le fait d'être en France déjà, d'avoir peut-être d'avoir un corps intact, voilà, avec nos bras, nos jambes, nos yeux. Enfin, pour moi, tout ça, c'est très très précieux parce que j'aurais pu ne Oui, pas les c'est ça. avoir aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc voilà, quand on traverse des étapes en fait de vie, je crois qu'à un moment donné, il s'agit aussi de se dire que voilà, ben c'est pas si terrible. Enfin, je veux pas minimiser les choses, mais je veux dire, il y a quand même de la valeur dans notre vie. Voilà. Et ça, Oui, c'est c'est ça, super important. regarder le Ouais. positif dans notre vie et avoir Vraiment. de la gratitude, parce que la Ouais. gratitude, c'est vraiment un sentiment. Enfin, je crois que c'est le plus grand sentiment qu'on peut ressentir, hein, la gratitude. Ouais. C'est Et en ça. C'est le ressentant cette plus puissant. gratitude, ben, c'est là qu'arrivent les bénédictions, C'est les ça. choses auxquelles C'est tu ça. dis, waouh, comment ça a pu se passer, quoi. C'est des miracles, en fait, Ouais, qui se produisent. mais oui. Parce que la gratitude, c'est le sentiment qui est issu de l'amour, en fait. Voilà. Donc forcément, ça peut que donner des beaux fruits. Y a Delphine Guénard. Donc, bienvenue sur ce live, Delphine. Bienvenue à tous. Alors moi, je vois pas Oui, du c'est vrai. tout les Ouais, je vois qu'on messages. voit sur le côté. Mais bon, il n'y a pas grand monde sur le live. Mais bon, Mais c'est les pas, il y aura personnes qui des viendront replays. en replay. Ouais, Ça, voilà. Donc, c'est ça. bienvenue à vous aussi. Hein, Ouais. voilà. Et alors, surtout, n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, à mettre des commentaires et on Oui, vous voilà. répondra. Voilà, surtout. Du coup, de mon côté, donc je vais partager de toute Voilà. façon mon site déjà. Et puis, c'est vrai que j'ai plusieurs petites formations aussi que j'ai mises en place, donc je peux les partager aussi pour que les personnes puissent commencer en fait à avoir des outils si Ouais. elles désirent prendre en main en fait leurs émotions et leur état interne. Après, Ouais. voilà, c'est vrai que c'est un muscle, hein, le fait de devoir acquérir de la joie, du bonheur, c'est comme un muscle qu'il faut vraiment faire travailler, en fait. Et Oui, c'est un c'est... entraînement. Ouais, c'est Ça n'arrive ça. pas comme ça du jour au lendemain. C'est s'entraîner, Ouais. refaire, et puis consciemment faire les choses, répéter, répéter. C'est Et c'est ça. comme Quand ça tu dis après. consciemment, c'est super important. Être en pleine conscience, finalement, de ce que l'on vit. Et des chances que l'on a aussi, malgré tout ce qui peut nous submerger. Bien évidemment, là, il faut un peu de temps, on peut pas être de suite à cavaler et à être bien hein, quand on vient d'être traversé. Hein. Mais voilà, avec le temps, en tous les cas, il y a des choses qui. On retisse notre vie, en fait, on recrée tout ça. Et il y a tout à fait possibilité, de toute façon. De changer notre état interne et de nouveau de mettre des graines de joie. Voilà. Pour les Donc, amplifier avec le temps. tout commence par une décision, quoi. Une Et décision. voilà. Je décide. Exactement. C'est ça. Et c'est vrai qu'avec ça, on ne peut pas le faire pour les autres. Voilà. Et Non, c'est vrai c'est que ça. si quelqu'un n'a pas décidé, c'est OK. Ce n'est pas encore le moment. Et si soi-même, on ne se sent pas de décider d'être bien, ben c'est OK aussi, c'est que ce n'est pas encore le moment et que ça viendra. Mais rien que déjà le fait de se le mettre un peu comme ça dans un petit coin de la tête, c'est qu'à un moment donné, ça va fleurir. C'est des graines semées. En tout cas, Delphine, D'accord. c'était vraiment, vraiment. Est-ce que tu veux rappeler rapidement les étapes du deuil? Oui, Donc, bien sûr. Alors, donc, vous avez d'abord déjà l'acceptation. En fait, on est traversé par le choc, en fait, le choc émotionnel. Et cette étape-là, c'est une étape où on peut ressentir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut se sentir à côté de son corps, déjà. C'est quelque chose qui arrive très souvent. On peut avoir plein de choses de perceptions différentes. Donc, et c'est OK, vraiment. Ouais, encore une fois, c'est une étape à passer.
Donc voilà, c'est l'étape du choc avec la sidération qui est là. C'est une étape qui peut être plus ou moins longue, hein, vraiment. Ça peut mettre des mois. Alors, on peut rester des mois comme ça, vraiment. Ensuite, donc, on a une étape qui. Après, toutes ces étapes-là, elles ne sont pas obligatoires, hein, non plus. Et aussi, on peut naviguer dans tout ça. Voilà. Donc, passer dans le déni ou pas. C'est pour ça, parce que j'allais parler du déni, mais voilà, parfois, il y en a qui ne vivent pas du tout le déni, quoi, qui acceptent très vite et qui finalement passent plutôt en mode dépression, tu vois. Parce que justement, elles ont compris qu'effectivement, il n'y avait rien à y changer. Mais du coup, là, on peut aussi revenir en arrière et de nouveau se retrouver en état de choc émotionnel. Ah ouais, Donc d'accord, on voilà. retourne en arrière. Oui, vraiment. Oui. C'est pas quelque chose du tout de linéaire, quoi. Réellement, enfin, moi, je l'ai vécu tellement plusieurs fois et que quand je vois comment ça s'est passé, finalement, à chaque fois, je veux dire, il y a des allers-retours. Mais de moins en moins, ensuite, après, on va vraiment vers l'amélioration, quoi. Donc voilà, en gros, c'est le choc, ensuite le déni, puis donc il peut y avoir une dépression, et ensuite vient la reconstruction, où on va mettre le focus réticulé activateur en route, et ensuite une acceptation, voilà, qui va nous amener ensuite à se reconstruire, à mettre de nouvelles balises. Voilà, en gros. Voilà. Ben merci Delphine pour toutes ces renseignements, toutes ces petites clés là qui va nous aider hein. Donc quel que soit le deuil qu'on est amené à vivre donc on peut suivre ça et Bien puis sûr, ça c'est clair. et donc la Alors, chose que sur moi je mon. retiens c'est décider et vraiment Ouais, décider. vraiment décidé. Ça c'est la clé de toute façon parce que voilà, c'est notre moteur, hein, clairement. C'est le moteur, il est là. Hein. Donc, si on décide de ces deux-là et ensuite on met en action par le cœur, du coup, et on va chercher ben, un réseau de soutien, d'entraide aussi hein, pour pouvoir avancer. Voilà. Ok, donc tu vas mettre sous la vidéo tous les liens qu'il faut dans ton site Ouais, internet, vraiment. les formations, Alors, tout ça. voilà, parce que sur mon site, en fait, j'ai un blog. Et donc, du coup, sur le blog, j'ai plusieurs sortes d'articles. Et il y a des articles sur le deuil qui peuvent être importants pour les personnes. Et notamment, il y a un article, j'ai fait un défi de 52 articles en 52 semaines. Et en fait, donc, le sixième, défi 6, parle de transformer les émotions. Et celui-là, je pense qu'il peut être, assez intéressant pour les personnes aussi. Donc, je mettrai aussi le lien. Voilà. De toute façon, il y a plusieurs. J'ai presque une centaine d'articles déjà décrits. Donc, ouais, il y a de quoi glaner en tous les cas. Voilà. Ben, merci Delphine pour tout ça. Avec grand Merci. plaisir. Et merci à vous qui avez pu assister à ce live. Et merci aussi à les personnes qui se connecteront en replay. Ouais, et puis n'hésitez pas à partager ce live pour les personnes qui peuvent en avoir besoin. Et donc, est-ce que ça te dit de terminer en musique, Delphine? Oh oui, avec grand plaisir. Ça oui. Faut que j'arrive à faire marcher le truc. Ah, allez. Hop, on va mettre un petit peu en avance quand même. Avancer un peu. Monte un tout petit peu. Voilà.
On va plus dormir, hein. Moi, ça porte beaucoup d'amour, en tout cas. Ouais. Do you wanna dance with me? Yeah. Do you wanna dance with me tonight? You wanna dance with me? Yeah. Bonne soirée Delphine et merci encore. Bonne soirée, merci Marie-Rose pour l'invitation. Allez, merci à tous. À bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir tous. Être coach, être professionnel.